Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, on va tenter un challenge rigolo. On va essayer de sécher le bouane en un seul tour. Pour cela, on va partir avec un double végéta divin d'Okan, mon végétaux bleu, le kit bou d'Okan, le super Gotenks pour bloquer l'aspect, végétaux, enfin super végétaux pour bloquer et Janemba pour bloquer. Je me demande si c'est pas plus intéressant de ramener un autre bloqueur de spé, mais bon. Niveau item, bah, item pour le nuque complet. Et puis en fait on va compter surtout sur le super végétaux. Comme tu peux le voir, il a plus 1000 en attaque. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est les 9 points que j'ai mis en coup critique et les 8 points qu'on a mis en coup supplémentaire. Et c'est parti les fouères. Alors j'ai eu plusieurs tentatives, enfin j'ai déjà fait plusieurs tentatives. Plusieurs échecs, j'ai réussi une fois, donc j'ai fait le combat en 3 tours, j'ai dû le nuquer en 2 fois, et c'est ça qui me saoule. Je peux très bien, enfin je suis sûr qu'on peut le nuquer en 1 tour. Oh, la rotation est bonne. La rotation est bonne les frères. La rotation est très très bonne. On a le kit bou. J'aurais aimé avoir plutôt super végétaux ou le végéta divin, mais on a le kit bou. Faut juste espérer qu'il concentre ses attaques sur la même unité. Et c'est peut-être là la clé de la réussite. C'est très aléatoire, hein. C'est une technique, voilà, le taux de réussite est très très bas. Mais si j'arrive à le faire, je pense que je serai le premier à avoir fait une vidéo sur le nuque de Buan. Donc on va essayer de le faire. Voilà, c'est chaud là. Petit pincement au cœur. J'aimerais juste que les attaques de Buan soient regroupées. Et pas d'attaque spé, s'il te plaît. Allez, regroupe tes attaques, ma fouère. Allez. Ouf. Ok. Direct, on n'a pas le choix. Attends, si je l'avais mis au milieu. Non. 3 attaques. Quasiment aucun qui mage en arc-en-ciel. Donc si l'attaque spé, on est mort. On a combien de défense? Grâce au kit bou, on a 50% de boost de défense. On a 8000. On a peut-être l'exploit. Enfin, on va peut-être réussir cette fois-ci. Ça sera un exploit parce que j'avoue que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident d'avoir le kit bou et le super végétaux au premier tour. Enfin, le végétaux bleu. Chaque fois, je dis super végétaux. Oh, j'ai besoin de vacances, les fouères. Et puis, dernière transformation, l'équi magenta. Non, l'équi orange. Donc là, on prend tout. Donc, il faut qu'il arrive au moins à faire 2 coups critiques. On a 500 000 d'attaque. Lors de mes précédentes tentatives, on était à 383 000 et j'avais, il lui restait ça en PV. Donc il faut qu'il attaque au moins 2 coups supplémentaires après son attaque spé. Il faudrait qu'il fasse au moins dans l'eau un coup critique en contre. Et c'est GG les fouères. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux mettre un maximum de pouces bleus pour invoquer Jean-Michel Minou? Là j'ai besoin de Jean-Michel Minou pour que Buan ne m'attaque spé pas. Faut pas qu'il m'attaque spé là, s'il te plaît. S'il te plaît, pas d'attaque spé. Ok, pour l'instant ça va. A la limite, il attaque spé sur Janemba, je m'en fous. 500 000. On a peut-être l'exploit, les amis. 700 000. Allez, 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 notre attaque spé, ma frère. Ouh, on a peut-être séché là. Oh là là, yes. La puissance, grâce à vos pouces bleus, j'ai senti la puissance de la TTF là. Alors, Buan, on va plus à la muscu, hein, on se fait sécher en un coup, enfin en un tour. Franchement, alors la vidéo a duré, bon j'ai un peu blablaté au début, mais le combat a duré 1 minute. Hein, voilà, on l'a séché direct, qu'est-ce qu'il y a maintenant? La puissance de la TTF, hein, je l'ai senti, j'ai senti le kill de la TTF là. Et voilà. Bon bah, la vidéo sera postée direct demain matin. Ce sera la vidéo la plus courte de ma chaîne. Mais voilà, c'est possible de le sécher en un tour. Oui, il faut avoir le kit bou dans la rotation, c'est mieux. Ou sinon, non, en fait c'est possible sans kit bou, mais il faudrait que super végétaux, enfin le végétaux bleu, fasse un coup critique en attaque spé, plus au moins un coup critique en contre. Et là c'est jouable, parce que j'ai réussi à faire une autre vidéo. J'ai failli le sécher en un seul tour. Il lui restait ça comme PV. Il restait, je sais pas, même pas 200 000, enfin 150 000.
Et donc voilà, on peut, je pense, le faire sans kit boo. Faut juste espérer que notre ami Végéto Bleu bah, fasse le taf. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour me soutenir, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos invocations, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Alors, petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.